Valorisera peut-être plus tard et peut-être de nouveau là sur ce coup franc de Pedros. Alors, 5 Nantais, 6 Nantais dans la surface de réparation de Porato. Pour le coup franc joué par Pedros qui lance Porato. Et but! Quel but encore avec ce pied gauche de Reynald Pedros sur ce coup franc joué directement et qui permet à Nantes de mener 2-1. Ah, Porato aussi va passer une mauvaise soirée, mais on a vu déjà depuis le début de cette rencontre que c'est un gardien qui anticipe. Regardez comme il est loin devant sa ligne. Il est au moins à 3 mètres, 4 mètres. Alors il peut reculer, mais pas pour un ballon qui va pleine lucarne. Et ce ballon-là est pleine lucarne. Et Pedros le sait. Pedros, je suis persuadé qu'il a tiré direct exprès parce qu'il sait que Porato, avec ses 6 joueurs nantais dans la surface, comme Thierry venait de vous le dire, était forcément enclin à sortir au devant d'un centre.